Soit les circonstances, il
faut servir Dieu. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi, content de partager ce moment-là avec vous. Je suis très content de partager ce moment avec vous, de partager la parole de Dieu, la parole de vie. Le Seigneur, il est merveilleux, lui qui nous prête la vie. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé. Merci de nous donner encore un jour de plus pour te servir, un jour de plus pour faire du bien, un jour de plus pour s'aimer. Et vous savez, cette émission passe aux Antilles, à la télé aux Antilles, à 14h, à 14h heure des Antilles. Sur Orange, si vous avez la chaîne sur Orange, canal 38, c'est pas le même canal que la métropole, canal 38 en Guadeloupe. Je ne sais pas si Télé Antilles passe sur quel canal en Martinique et en Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, mais en Guadeloupe, c'est canal 38. Télé Antilles sur Orange à 14h. Et bien sûr, la même émission passe en direct en métropole, c'est à 20h. Télé Antilles, la chaîne 398. Par contre, sur Bouygues, en métropole, c'est 407. Et sur Free, 392, non, 932 plutôt, 932, sur Bouygues 932. Tendre Père, puisses-tu nous parler? Tendre Père, puisses-tu nous édifier? Tendre Père, puisses-tu nous conduire? Que tout ce que nous allons dire soit à ta gloire. Vous savez, j'ai toujours dit... au pasteur, la chose la plus dure, ce n'est pas l'inspiration. C'est pas l'inspiration, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous inspire de messages. Mais la chose la plus hostile chez un pasteur, c'est son cœur. Et ce cœur qui est très influencé par l'environnement. Vous voyez, comme les gens disent, petit pays, petite tête. Croyez-moi, vous pouvez pas, et je dis bien dans toute règle, il y a exception. Hein? Dans toute règle, il y a exception. Mais quand vous allez, par exemple, dans une famille où la mentalité est médiocre, c'est difficile que les enfants aient une bonne mentalité. Vous allez voir aussi, les enfants seront médiocres parce que les parents sont médiocres. Ils ont éduqué les enfants dans la médiocrité. Bien sûr, il y a quelques enfants qui arrivent à échapper à ces lois. Il y a des miraculeux toujours. Je dis, il y a toujours des exceptions. Pourquoi je vous l'ai dit? Je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. La Bible dit, la Bible a donné les lois, quatre conditions de réussite. Quatre conditions de réussite pour qu'un enfant réussisse, pour que toi tu puisses réussir. Il a donné quatre clés. On va dans le psaume 1. Dans le psaume 1, à partir du verset 1. Bien sûr, c'est un verset que je connais, mais j'aime bien... vous lire cela dans la Bible. Hein, nous allons voir ce verset. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
voyez, la première chose, tout ce que vous entendez, l'environnement, quand vous êtes environné de méchants, voyez, tout cela est relié à l'environnement. Quand vous avez des gens méchants, quand vous avez des gens médiocres, quand vous avez des gens, quand vous êtes environné de vauriens, par exemple, ces gens-là vont rien vous apporter. Ils vous donneront pas de bons conseils. Comme je fais une vidéo où j'ai dit, pour réussir sa vie, il faut bien choisir son environnement. Voyez, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Voyez, donc il y a le conseil. Nous avons notre conseiller, le Saint-Esprit. On l'appelle Esprit de conseil. Le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas là seulement pour vous mettre en transe. Il n'est pas là seulement pour vous apprendre à prêcher. Il n'est pas là seulement pour vous apprendre à chasser les démons. Il est là pour vous conseiller. Esprit de sagesse, esprit de conseil, esprit de force. Il est là pour vous donner la force de servir Dieu. Il est là aussi pour vous donner des conseils. Comment être un bon mari, comment être un bon père, comment être un bon entrepreneur. Et il a beaucoup de conseils à nous donner, voilà. Alors, mais malheureusement, parfois, au lieu qu'on soit influencé par le Saint-Esprit, des fois nous sommes influencés par les conseils des gens. Il y a une jeune fille que je connais bien, que j'aime beaucoup, que j'ai adoptée comme ma fille. Mais cette fille-là, sa famille s'inquiète. Sa famille lui fait la pression. Tu n'es pas encore marié, tu as tel âge, tu n'as pas encore de copains, tu as tel âge. Vous voyez comment l'environnement peut pousser une personne à faire des mauvais choix, à s'engager dans une relation avant le moment. Puis, l'environnement peut vous faire une pression et pour satisfaire votre environnement ou la famille ou les parents et les amis, des fois on prend des mauvaises décisions, on ne prend pas le temps de réunir tous les éléments pour prendre une bonne décision. Malheureusement, c'est fréquent. Et j'ai fait tout un conseil à cette sœur pour lui dire, ton temps viendra. Nous n'avons pas tous le même temps. Dieu a chaque chose à son temps. Le plan, si ta mère se marie à 20 ans, toi, tu vas te marier à 40 ans, un autre à 35 ans. Ça dépend du temps que Dieu a fixé pour la vie de chaque personne. Chaque chose vient en son temps. Chaque chose, chaque rencontre vient en son temps. Ne soyez pas pressé. Et quelqu'un peut réussir aujourd'hui sa vie. Ne l'envie pas. Ton temps viendra où toi aussi peut-être tu vas réussir aussi. Au contraire, prends la réussite des autres comme un signe, comme un présage de ta future réussite. Voyez. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. Alors là, nous voulons parler de la sainteté. Autrement dit, quelqu'un qui ne vit pas dans un environnement de péché. La voie du pécheur. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'aimerais vous donner. J'y ai pensé un peu. Je ne sais pas si je peux vous en parler. Et c'est important d'élever vos enfants dans un bon environnement. Et même si cela vous coûte cher, croyez-moi,
l'école publique, c'est bien. Si l'enfant a un fort a du caractère, et cela, si l'enfant est bien suivi, l'école publique, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Mais l'école privée, c'est mieux. Moi, je vous donnerai l'exemple de ma petite sœur. Elle a trois garçons. Elle a inscrit ses trois garçons dans une école privée. Elle s'est sacrifiée littéralement pour que ses enfants soient dans un environnement bon. Résultat, parmi les trois garçons, deux sont ingénieurs. Hein? Quand je dis ingénieur, c'est pas n'importe quel ingénieur. Ingénieur dans la recherche de stratégique en France. Voyez, le troisième garçon aussi, il a au moins bac plus 5, bac plus 7. L'environnement, parce que les enfants n'ont pas grandi, pardonnez-moi les mots, avec des voyous. Ils sont allés dans une école privée. Ils ont étudié avec des enfants qui parlent, des enfants ambitieux qui sont éduqués, qui parlent ambition. Les enfants ont évolué. Et il faut changer d'environnement. Et je tiens à dire, ce n'est pas parce que nous sommes dans une même église qu'on est obligé de se fréquenter. Vous ne devez pas fréquenter n'importe qui. Vous ne devez pas fréquenter quelqu'un parce qu'on est dans une même église. Non. Parce que l'église est ouverte à n'importe qui. Hein. Même un voyou peut venir, entre dans l'église. Il y en a qui changent, il y en a qui ne veulent pas changer, il y en a qui se repentent, il y en a qui ne veulent pas se repentir. Donc vous n'êtes pas obligé de laisser n'importe qui venir chez vous ou vous fréquenter parce qu'il est frère ou sœur en Christ. Non, 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 c'est pas ce que dit la Bible. On est obligé d'aimer les gens. Oui, c'est une dette. On doit aimer les gens. Oui, on doit aimer les gens. Mais il faut choisir qui vous fréquentez. Qui peut entrer dans votre environnement. Et parce que je vous dis, il y a des gens qui ne vous apporteront rien dans votre vie que des histoires. Il y a des gens qui ne vous apporteront rien parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Parce qu'ils n'ont rien. Moi, je fais le bilan. Je vous dis bien, je vous partage mon expérience. Ah, Jérôme, sois béni. Je ne t'ai pas vu dimanche. Jérôme, sois béni. Je vous partage mon expérience. Voyez, il ne s'agit pas de niveau intellectuel obligatoirement. Il ne s'agit pas de niveau intellectuel, mais il s'agit de l'éducation. Voyez, il y a des gens qui ne vous influenceront que vers le bas. Je vous dis bien, il y a des gens qui vont essayer de vous traîner vers le bas. Vous prenez un poussin, vous le mettez parmi les aiglons. Le poussin, s'il grandit avec les aigles, il va se prendre pour un aigle. Hein? Vous prenez un aiglon, vous le mettez avec les poussins. Croyez-moi, je ne sais pas si cet aiglon va prendre son envol un jour. Prenez un aiglon, mettez-le avec des poussins, qu'il grandit avec les poussins, il grandit, mange. Je vous dis qu'il va se prendre pour une poule. Et peut-être il aura des ailes d'aigle, mais il ne va jamais s'envoler. S'il s'envole un jour, c'est par accident ou par panique ou par peur, mais il aura du mal à prendre conscience de ce qu'il est. Et nous avons beaucoup des enfants de Dieu qui sont bas parce qu'ils fréquentent les gens qui sont bas. Je vous donnerai des petits exemples. Que cela soit à l'église de la Guadeloupe ou de Pointe-à-Pitre. Par exemple, j'ai une fille en Guadeloupe qui est ingénieure. Ça fait plus de 4 ans que je la connais.
Je n'ai jamais entendu des racontages, des histoires, des crancans, un tel a dit dans sa bouche. Je pense que pasteur français sait de qui il s'agit. C'est une fille. Tu attendras jamais des bêtises. Elle n'a pas le temps. Voyez, il y a un minimum de niveau dans la tête. Tu ne le verras jamais en train de rencontrer un tel a dit, un tel. Quand tu parles avec lui, avec la personne, il t'apporte quelque chose. Tu parles avec la personne, il est, elle est. Je peux vous le dire. J'ai fini par étudier les gens et j'ai vu que l'éducation est le milieu dans lequel nous évoluons, la famille dans laquelle nous évoluons. Vous allez voir, et ça a une grande influence. D'ailleurs, David a dit, je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. David a dit cela clairement. Je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. On va voir cela. On va voir ce verset. J'aimerais quand même vous le dire. Je suis l'ami de ceux qui craignent Dieu. Psaume 119, verset 63. Psaume 119, verset 63. Je suis l'ami de ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Oui. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être amis avec les canards et espérer être couronné comme un aigle. Vous ne pouvez pas passer votre temps au téléphone avec des idiots, des vauriens. Tu fréquentes les vauriens, tu gagneras rien. Voyez, je vous dis la vérité. Notre fréquentation, notre environnement est déterminant. Vous allez dire, mais qu'est-ce que le bishop dit? Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui n'écoute pas. Moi, je connais quelqu'un, voyez, qui passe son temps à écouter des critiques. Parce que la personne se croit fort. La personne se croit forte. Elle passe son temps à écouter. Les gens viennent murmurer, les gens viennent critiquer dans ses oreilles. En fin de compte, aujourd'hui quand je fais le bilan, je me rends compte que cette personne finit par être affectée. On n'est pas aussi fort que ça. N'oubliez pas que les paroles sont des semences. Dieu ne vous appelle pas à écouter. Dieu n'a appelé personne à écouter des méchancetés des autres. Même moi, et je refuse. Si quelqu'un a son cœur rempli d'amertume, si quelqu'un a sa colère, a sa haine, si tu es un enfant de Dieu, tu dois aller vider ton cœur dans la présence de Dieu. Il y a une poubelle. Va au pied de la croix, dis Seigneur, vomis ta haine, Seigneur, nettoie-moi. Seul Jésus peut nettoyer nos amertumes. Jamais Dieu a appelé un pasteur pour recevoir les amertumes des autres, les critiques. Non, c'est négatif. Les critiques, les mauvais conseils, autrement dit, les mauvaises paroles, sont mauvaises pour tous les hommes. Les mauvaises paroles sont mauvaises pour tous les hommes. Donc Dieu n'appelle aucun pasteur, aucun ancien, même aucun mari ou aucune épouse à ramasser et à écouter les décharges des autres. Refusez les mauvaises paroles. Quelqu'un vient critiquer, tu lui dis, écoutez, au nom de Jésus, tu arrêtes, je t'arrête. Prie pour la personne, va demander pardon. Mais ne prêtez pas vos oreilles pour écouter des calomnies, des rapportages.
Et je constate que parfois, c'est toujours les mêmes personnes toujours, qui ont l'amertume et qui ne veulent pas s'en repentir. L'amertume est très dangereuse. L'amertume est très dangereuse. L'amertume peut vous amener au meurtre. L'amertume peut même vous amener au suicide. L'amertume, c'est quelque chose d'horrible. Et la seule guérison contre l'amertume, c'est la repentance. Dites-vous, moi qui vous parle, je ne suis pas mieux que vous, hein. Moi qui vous parle, je ne suis pas mieux que vous. Ce matin, je parlais avec Pasteur Francette. Je parlais avec Pasteur Francette, elle m'a raconté un peu son expérience, ce qu'elle a vécu comme épreuve, les moments difficiles qu'elle a traversés pour la parole de Dieu. Mais j'ai dit, mais cette femme, elle est courageuse, elle est courageuse, elle est courageuse. Elle paye un prix, ah oui. D'ailleurs, je lui ai dit sur le téléphone, j'ai dit, pasteur Francette, je ne pense pas que je peux avoir mieux que toi, comme pasteur assistante. Et je l'ai dit, je ne veux juste pas de fleurs, moi, je n'attends pas que pasteur Francette soit dans un cercueil pour lui dire ses paroles. Vous voyez, les gens, c'est quand seulement des personnes meurent que vous commencez à les louer et à leur dire des bonnes choses. Mais quand ces gens-là sont vivants, vous ne dites rien. C'est ça l'hypocrisie de l'homme. Mais quand quelqu'un meurt, on commence à raconter des choses. Il était comme ça, il était comme ça, il est comme ça. Mais des fois, la personne est vivante, il a besoin de votre affection, il a besoin. Des fois, la personne est vivante, il souffre de ne pas être reconnu, il souffre de ne pas être compris. Moi, je l'ai dit aux vivants, pasteur Francette, c'est une femme extraordinaire. Elle m'a parlé des choses que je ne connaissais pas. Du moment difficile qu'elle a traversé, des prix qu'elle paye pour servir Dieu. Je vous dis, j'étais là. J'ai dit, waouh, waouh, des fois on ne connaît pas assez bien les gens. Il y a des gens qui font des sacrifices que peut-être toi-même tu ne pourras jamais faire. Il y a des gens qui payent un prix que nous-mêmes, des fois, on ne pourra jamais payer. Hein, mais on a toujours le temps pour dire à un tel, mais on ne sait pas quel prix il paye. On ne sait pas quel prix il paye. L'environnement. Il faut bien choisir. Vous voyez, écoutez un peu. Jésus a choisi 12 disciples. Jésus a choisi 12 disciples. Il a prié toute une nuit. Il a choisi. Vous voyez, choisissez les gens qui doivent être vos amis. Choisissez des gens que vous devez fréquenter. Choisissez. Vaut mieux être seul que mal entouré. Vaut mieux même être seul que mal accompagné. Mais vous avez un pouvoir, c'est de choisir qui peut entrer chez toi à la maison. Choisissez bien qui peut mettre ses pieds chez toi à la maison. Choisissez qui peut être ton ami. Choisissez. C'est un privilège énorme. Et cela est déterminant. Quand vous fréquentez des gens stériles, des gens à histoire, des gens qui ne font que colporer des paroles, des gens qui n'ont rien de la tête qui la convoitise, vous voyez. Vous vous rendez compte? Un frère m'a dit, mais cet homme-là n'est pas bon. Cet homme-là n'est pas bon. Il vient chez moi à la maison. Ma femme le reçoit. Ma femme le traite comme un prince. Ma femme nous sert à manger. Mais quand on quitte la maison, il regarde d'autres femmes et il cherche à m'entraîner vers d'autres femmes. Il m'a dit, pasteur Elie, je coupe cette relation. Cet homme-là n'est pas bon. Quelqu'un qui est ingrat envers ta propre femme, c'est-à-dire qu'il vient à la maison,
Ta femme le reçoit comme un prince, on lui sert à manger, il lui sourit, il mange bien. Mais quand vous sortez dehors avec ton ami, la même personne te présente des copines et il essaye de t'influencer à sortir avec d'autres femmes. Il dit, si il est comme ça avec ma femme, je ne sais pas comment il sera un jour envers moi, ce n'est pas un homme fiable. Et voilà pourquoi je vous dis, c'est pas toujours faux, petit pays, petite tête. Il y a des gens que vous ne devez pas fréquenter parce que vous êtes en train de tuer votre temps. Vous êtes en train de gaspiller votre temps. Je vous dis bien, vous êtes en train de gaspiller votre temps. Autrement dit, vous êtes en train de gaspiller votre vie. Vous gaspillez votre vie. Parce que c'est des gens, des moqueurs. Voilà, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Les moqueurs, ils ont le temps pour se moquer des autres. Un moqueur, il se moque des autres. Lui-même, il ne fait rien. Il ne s'améliore pas. Il ne s'occupe pas de lui-même, mais il a le temps d'observer la vie des autres. C'est quelqu'un pour qui la vie est comme un cinéma. Il voit les autres. Quand on voit un cinéma, on ne participe pas, mais on est spectateur. Il y a des gens qui sont spectateurs de la vie. Ils ne vivent pas, mais ils sont spectateurs de la vie des autres. Ils ont le temps pour examiner. Ah, lui, il prêche mal. Ah, lui, il prie mal. Ah, lui, il fait mal. Mais qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que toi, tu fais? Alors, le moqueur, la chose la plus importante chez le moqueur, c'est que le moqueur, c'est quelqu'un qui a tout son temps pour observer les autres. Le moqueur, il est assis. D'ailleurs, on dit bien qu'il ne s'assoit pas sur le banc. En général, les moqueurs sont toujours assis. D'ailleurs, la parole de Dieu précise qu'il ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs. Pourquoi? Parce que la plupart des moqueurs, ils ont le temps pour s'asseoir. Ils aiment les bancs, les moqueurs. J'ai constaté, il y a des endroits dans la ville où on a enlevé les bancs. Il y a des routes où on a levé les bancs pour obliger les gens de circuler. Les moqueurs, ils aiment s'asseoir sur les bancs et ils ont tous les temps pour regarder à comment elle vit, comment elle fait ceci, comment elle fait cela, comment elle ceci. Ils ont tous les temps pour décortiquer ta vie, voir comment tu prêches, voir comment va ton mariage, qu'est-ce qui va pas dans ton mariage, ils ont tous les temps, les moqueurs. D'ailleurs, c'est pour cela, ils sont assis. Mais par contre, le pécheur, on dit, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheur. Les pêcheurs, ils ont leur chemin. Mais les moqueurs, ils ont le temps pour s'asseoir. Ils ne font rien de leur vie. Ils sont assis pour observer la vie des autres et trouver de quoi se moquer. Mais écoutez, bien-aimé, si tu vas t'asseoir sur le banc de moqueurs, tu peux beau parler en langue, tu peux beau lire la Bible, tu peux beau chasser les démons, mais dès que tu es assis sur le banc de moqueurs, tu seras malheureux. La Bible n'a pas dit heureux celui qui parle la langue, voyez. Choisissez votre environnement. Soyez là où Dieu vous veut. Soyez là où Dieu vous a mis. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais toi, tu décides d'abandonner. Tu défies la parole de Dieu. C'est bon. C'est comme un frère m'a dit, je n'ai pas quitté Jésus, mais j'ai quitté l'église. Le langage n'est pas bien. Tu n'as pas quitté Jésus, mais tu as quitté le plan de Dieu. Voyez. Je connais des chrétiens qui ont Jésus dans leur vie, mais qui sont malheureux. Je connais des chrétiens qui ont Jésus, qui parlent en langue,
mais qui sont malheureux et malheureux, rien ne va dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas obéissants. Nous devons être obéissants. Voilà, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, la parole de Dieu, la parole de vie, qui trouve son plaisir. Voyez, ce n'est pas seulement qui a un intérêt intellectuel, mais non, mais il trouve un plaisir. C'est-à-dire que quand il lit la Bible, le Saint-Esprit en lui se réjouit. C'est pas quelqu'un que tu vas demander de lire la Bible. C'est pas quelqu'un à qui tu vas obliger de lire la Bible. Mais il prend son temps. Aujourd'hui, ce qui me choque, des fois tu dis à quelqu'un de prêcher la parole, il te dit, pasteur, je n'ai pas un message. Moi, mon pasteur, tu lui dis ça une seule fois. Je peux vous dire, pendant un an, il te demandera plus d'aller à la chair. Ça veut dire que la personne n'est pas consciente du privilège, voyez. La Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Jésus-Christ dit ça, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Parce que prêcher la parole ou être pasteur, aujourd'hui on nomme n'importe qui pasteur. On nomme n'importe qui pasteur, et voilà pourquoi aujourd'hui, les gens que vous nommez pasteur font n'importe quoi. Vous nommez quelqu'un pasteur, il est en train de se battre. Vous nommez quelqu'un pasteur, il est en train de mépriser l'onction pour une petite fille de la rue. Parce que ce sont des gens, comme on dit, des profanes comme Saül, voilà. Et Saul a vendu son droit de naissance pour des lentilles. Et nous avons beaucoup de gens qu'on nomme au pasteur, mais qui n'ont pas la maturité. C'est pas que des fois la personne est mauvaise, mais la personne n'est pas encore prête. Il n'a pas compris encore ce que c'est que la chair. Moi, c'est une erreur que j'ai commise plusieurs fois. Vous voyez, quand vous mettez quelqu'un responsable dans une église, ou quand vous invitez quelqu'un à prêcher dans une église, c'est une grande responsabilité. Parce que la personne qu'on voit à la chair, qu'il préside ou qu'il soit choriste, la personne qu'on voit à la chair, qu'il préside ou qu'il soit choriste, si demain il se bat dans la rue, les gens qui l'ont vu dans la chair sont scandalisés. Hein? Les gens qui l'ont vu dans la chair sont scandalisés, même peuvent lâcher la foi. Mais la personne qui est un simple chrétien, qui ne monte pas la chair ou qui n'est pas dans une chorale, on l'a vu dans l'église. Quand on le voit dans la rue en train de se battre ou se disputer, les gens sont surpris, mais ça ne perturbe pas autant leur foi. Ils peuvent dire, ah mais non, cette personne-là n'était pas encore convertie, ou cette personne-là était un nouveau venu. Ça choque moins. Alors, aller à la chair pour présider, pour prêcher, c'est quelque chose de sacré et lourde de conséquences. Alors, quand vous prenez des gens qui n'ont pas compris ça, vous le mettez à la chair. Et le résultat est là. Quelqu'un qui est ancien, quand on dit ancien, dans une église, il y a des fidèles qui te prennent comme modèle. Il y a des fidèles même, certains fidèles qui vont s'appuyer sur toi. Il y a même certains fidèles pour qui tu es leur pasteur. Parce que tu es ancien. Alors, lorsque tu fais quelque chose, il faut te dire que mon comportement peut faire tomber, pas seulement moi, mais d'autres personnes qui me regardent et qui me suivent. Je ne peux plus agir n'importe comment.
Je ne peux plus agir comme si j'étais n'importe qui. Mais alors, quelqu'un qui n'a pas compris ça, comme dans nos églises modernes aujourd'hui, on nomme des pasteurs à gauche, à droite, on nomme n'importe qui prophète, on nomme n'importe qui, on fait monter n'importe qui. Ce matin, Eddy m'a appelé, il m'a dit, Bishop Eli, je ne sais pas si ce matin ou hier soir, il m'a dit, merci de m'avoir permis de témoigner devant l'église. La chair, c'est quelque chose qui est sacré. C'est une grande confiance que tu m'as donnée. Mais la chair, c'est pas n'importe quoi. On peut même mourir en montant sur la chair. C'est quelque chose. Voilà. Voyez quelqu'un, quand il parle, vous voyez que la personne a un profond respect pour Dieu. Il a un profond, il a compris le sens sacré de monter à la chair. Comme j'ai dit à Pasteur Français ce matin, je lui ai dit, je commençais à prêcher à 13 ans. Je commençais à prêcher à 13 ans. Maintenant, j'ai 55 ans. Jamais j'ai dit non à une invitation pour prêcher. J'avais 13 ans. Et je vous l'ai dit devant Dieu et les anges. Écoutez bien, je vous l'ai dit devant Dieu et les gens et les anges. Je prêchais à la chair en ayant 41 degrés de fièvre. Je prêchais à la chair avec une jambe cassée, pieds nus. Je prêchais à la chair avec un bras gonflé 4 fois. Je prêchais à la chair dans toutes les conditions, mais jamais j'ai reculé devant mon devoir d'apporter la parole. Jamais. Et depuis l'âge de 13 ans, pour dire que à l'âge de 13 ans déjà, j'avais compris ça. Mon garçon était en train de naître en Guadeloupe, dimanche. Moi, j'étais dimanche en train de prêcher en Martinique. Mon fils, sa mère était en train d'accoucher en Guadeloupe, hospitalisée, grossesse, en train d'accoucher. Et moi, j'ai pris l'avion, je suis allé prêcher en Martinique. Jamais je reculais devant la prédication. Et Dieu me l'a bien rendu. Dieu me l'a bien rendu. Parce que la mère a failli mourir. Dieu m'a réveillé à minuit pour prier en langue jusqu'à 5 heures du matin. L'esprit m'a réveillé. Parce que Dieu nous récompense toujours lorsque on met son royaume avant toute chose. Choisissons bien les gens que nous fréquentons. Et David a dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent, de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent ta parole. Alléluia. Et nous voyons les résultats. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. Voyez, nous aimons bien ça. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je crois que tous les hommes veulent réussir. Je ne connais pas un seul homme qui ne veut pas réussir sa vie. Nous voulons tous réussir notre vie. Et c'est une bonne chose. Et c'est légitime de vouloir réussir. C'est légitime de vouloir prospérer. Et c'est légitime de vouloir prospérer. Mais pour moi, je suis convaincu que s'il y a quelqu'un qui doit prospérer, c'est un enfant de Dieu. Mais pourquoi nous avons des chrétiens qui ne prospèrent pas? Pourquoi nous avons tant de chrétiens qui ne prospèrent pas, qui sont tout le temps dans des difficultés? Parce que nous manquons la sagesse. La sagesse vaut mieux plus que 1000 objets d'or. Vous voyez, nous avons l'homme, il croit, avec la compagnie du Saint-Esprit, on a tout. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit d'intelligence,
Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. D'après Ésaïe, esprit de sagesse, esprit de force, esprit de la crainte de l'Éternel. J'aime bien ça. La crainte de l'Éternel. Voyez. Oh, esprit de sagesse. De sagesse. Esprit de force. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de crainte de, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Oui. Le Saint-Esprit, il nous donne la sagesse et l'intelligence. Voyez, dans Proverbe, on dit « La sagesse vaut mieux plus que 1000 objets de perles. » La sagesse vaut mieux plus que 1000 objets de perles. Esprit de sagesse. Avec la sagesse, on réussit un mariage. Avec la sagesse, on garde un mari. Avec la sagesse, on éduque un enfant. Avec la sagesse, on dirige bien une église. D'ailleurs, dans Proverbe, on dit « La sagesse bâtit sa maison. La femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Mais celle qui est sage bâtit sa maison. » La femme insensée ou le pasteur insensé renverse son église de ses propres mains. Le chrétien insensé renverse ses affaires de ses propres mains. Mais celui qui est sage, voyez, ce n'est pas la prière qui bâtit une église. Ce n'est pas la prière. La prière attire l'onction. La prière attire l'onction. Mais quand l'onction est là, quand le Saint-Esprit est là, il faut l'écouter. Prier, c'est inviter un professeur. C'est comme si ma mère me cherchait toujours des professeurs privés. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle payait toujours des professeurs pour m'enseigner en privé. Voyez, les professeurs venaient. Prier, c'est inviter un professeur. Et quand un professeur est là, et bien sûr, il faut t'asseoir à table et consacrer du temps, donner une heure ou deux heures pour l'écouter. Et c'est ça que nous avons comme problème. Nous voulons l'onction pour chasser les démons, nous voulons l'onction pour imposer les mains, nous voulons l'onction pour prophétiser. Mais nous passons très peu du temps avec le Saint-Esprit, pour l'écouter, pour lui parler et surtout pour l'écouter. Dans Ecclésiaste, on dit que tes paroles soient très peu nombreuses. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, il faut écouter. Mais malheureusement, les modèles de prière qu'on nous enseigne, ce sont des modèles de prière où on nous apprend toujours à chasser les démons. Je ne suis pas contre pour chasser les démons. Hein. On doit les chasser. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, ceux qui croiront à mon nom chasseront les démons. On doit les chasser. Mais on ne peut pas faire que ça. Si tu pries 3 heures, 1 heure tu chasses les démons, 1 heure tu chasses les démons, le reste du temps, 3 heures, 2 heures du temps, passe-le dans l'adoration, dans la louange et à méditer la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut écouter Dieu? Comment est-ce qu'on peut écouter la voix de Dieu? Là, c'est encore un autre enseignement. Je crois que j'en ai déjà parlé. Comment écouter la voix de Dieu? Il y en a qui peuvent me dire finalement, oui, Bishop Eli, ce que tu dis, c'est bien et j'aimerais écouter la voix de Dieu, mais comment l'écouter? Voyez, écoutez bien. Écouter la voix de Dieu,
c'est d'abord lire et méditer la parole de Dieu. Si vous lisez bien dans le psaume 1, on dit, et qui lit et médite la parole de Dieu jour et nuit. Voyez, dans le psaume 1, on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voyez, il y a le conseil des méchants, les paroles des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voyez, qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel. Autrement dit, vous voyez, il y a... J'aimerais vous décortiquer ce psaume comme on ne vous l'a jamais décortiqué. Voyez une chose. En un seul bloc, première partie, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. C'est trois choses qu'il ne doit pas faire. Suivez bien. J'aimerais vous décortiquer le psaume 23 comme on ne vous l'a jamais décortiqué. Le psaume 1, comme on ne vous l'a jamais décortiqué. Et j'appelle ça Rima. C'est quelque chose qu'on m'a jamais expliqué comme ça. Écoutez bien. Il y a trois choses qui forment un ensemble et qui est en opposition à une seule chose. Ne pas marcher selon le conseil du méchant, ne pas s'arrêter sur la voie de pécheurs, de pécheurs, ne pas s'asseoir sur le banc de mon cœur. Tout cela forme un bloc qui est opposé, mais, il y a le mais. Le mais, c'est une préposition d'opposition. Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Autrement dit, le fait de méditer la parole de Dieu jour et nuit est opposé à ces trois choses. C'est le contraire de ces trois choses. Maintenant, je vais rentrer en détail. Je vais être plus explicite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui marche selon le conseil de l'esprit. Voyez. Je vais maintenant rentrer en détail, parce que là, on a englobé l'opposition. Maintenant, je vais rentrer en détail. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui marche selon le conseil de l'esprit. Esprit de conseil. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il se laisse guider, mais qui se laisse guider par l'esprit? Il va là où l'esprit le veut. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui s'assied dans l'onction, qui s'assied dans la présence de Dieu, qui s'assoit dans la présence de Dieu, qui s'assoit dans l'onction, qui s'assoit là où Dieu le veut. Et pourquoi s'assoit-il là où Dieu le veut? Parce que lorsqu'on est assis dans la présence de Dieu, on médite la parole de Dieu, on écoute les conseils de Dieu, on écoute les révélations de Dieu, c'est la prière. Autrement dit, heureux l'homme qui s'assoit dans la présence de Dieu. En un mot, heureux l'homme qui passe son temps dans la présence de Dieu. Heureux l'homme qui passe son temps dans la présence de Dieu. Quand vous avez un temps libre, j'ouvre ma Bible, je commence à méditer, je commence à lire la Bible, je commence à souligner des passages. Voyez, et pendant que vous méditez la Bible, et c'est en ce moment-là que des fois l'Esprit vous parle. Je vous l'avais dit. Ne pensez pas que Dieu parle seulement par des visions ou par des songes ou parce que vous allez entendre une voix,
Mais non, nous compliquons trop la vie. Les gens pensent que Dieu parle simplement par des visions, par des prophéties. Non, des fois, Dieu parle quand nous méditons la parole de Dieu. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, et j'attends, il ne me parlait pas. Vous savez, le Seigneur ne parle pas quand notre capacité de réfléchir est capable de nous montrer le chemin. Le Seigneur n'est pas bavarde, le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Si vous demandez au Saint-Esprit, montre-moi quel est le chemin à prendre. Mais si le Saint-Esprit sait que, avec l'intelligence que tu as et la connaissance de la parole de Dieu que tu as, il suffit que tu réfléchisses un peu, tu verras quel est le bon chemin. Il te parlera jamais. Parce que le Seigneur veut que tu réfléchisses aussi. Le Seigneur aime que nous réfléchissions. Voilà pourquoi il nous a donné l'esprit de l'intelligence. Voyez pourquoi on fait les maths. Pourquoi on fait les maths à l'école? En France, on avait enlevé les maths. Et on a fabriqué des étudiants stupides. Les maths vous amènent à réfléchir. Voilà pourquoi même quand vous faites les arts, mais il faut que vous appreniez les maths. Même quand vous faites la littérature, mais il faut que vous ayez un peu de notion des maths. Parce que les maths est une matière qui t'amène ta tête à réfléchir. À réfléchir devant des problèmes, devant des équations. Tout homme a besoin de réfléchir, de développer sa capacité de réflexion. Même quand tu es appelé à être un chanteur, vous serez appelé à réfléchir toujours. Malheureusement, avec les systèmes français, on veut faciliter tellement les gens la tâche et on a enlevé des maths dans certaines matières. Et maintenant, Macron, ils ont décidé de mettre les maths dans toutes les matières. Ils ont compris ça. Et le Saint-Esprit, il veut que tu réfléchisses. Et pendant que tu réfléchis, quand le Saint-Esprit voit que la chose est trop compliquée pour toi, il vient t'éclairer. Pendant que tu lis la Bible, tu médites. Méditer, c'est réfléchir sur la parole de Dieu et sa vie. C'est ça, méditer. Des fois, on dit les mots, il faut méditer, mais on n'explique pas bien aux gens. Et les gens disent, méditer, c'est quoi? Méditer, c'est lire la Bible, c'est poser des questions sur ce qu'on lit. Et réfléchir dessus, se poser des questions, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce que cela veut dire pour moi, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que cela, c'est ça méditer. C'est se poser des questions, étudier la parole de Dieu en profondeur. C'est ça méditer. Et pendant qu'on médite, que l'Esprit parle, on a vu, lorsque l'apôtre Paul a eu la vision en extase, l'apôtre Pierre plutôt, a eu une vision en extase où il a vu une nappe qui descendait du ciel avec des animaux impurs. Dieu lui a dit, tu et mange. Lorsque l'apôtre Pierre était en train de réfléchir sur la vision, c'est là qu'il a entendu une voix qui lui a dit, sors, va chez Corneille. C'est quand nous réfléchissons, quand Dieu voit que nous réfléchissons, c'est pendant ce moment-là qu'il nous parle. Pendant que tu médites la parole de Dieu, pendant que tu étudies la parole de Dieu tout le matin, tout le soir, c'est pendant ce moment-là que le Saint-Esprit vient te parler. Des fois par une voix douce, des fois par un conseil qui est au fond de toi, ou des fois par une voix audible, ou des fois par une vision, ou parfois dans des songes. Il vient nous parler, mais on ne peut pas rester inerte, on ne fait rien, on reste là, on attend que le Seigneur vienne nous parler. Non, il faut lire et méditer là. Il faut t'investir. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Thank you.
Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, venez à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, donnez vos cœurs à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, confie-lui ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour, cherchez d'abord le royaume des cieux, abandonne ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains l'éternel Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, décharge-toi de tes soucis. Cherchez d'abord le royaume Dieu t'entend. Et Black a dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Mais si ton cœur n'a pas changé, si l'amour n'est pas dans ton cœur, tu es perdu. Yes. Cherche d'abord l'intérêt du royaume. Yes. Cherchez d'abord le royaume des cieux, retour à l'éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux, il attend que tu l'invoques. Cherchez d'abord le royaume des cieux, crains ton Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu ne le regretteras pas jamais. Cherchez d'abord le royaume des cieux, viens Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux, non pas le succès, cherche non pas l'argent, Thank you.